de l'Innov Café sur le stand d'Espace, nous avons présenté les derniers travaux de recherche sur le comportement et des idées pour des mises au point de méthodes pour sélectionner le comportement des animaux en élevage et aussi en engraissement. Donc le principe de tracking, c'est de suivre donc individuellement l'activité des animaux dans un parc collectif, et le parc que vous verrez est un parc de 120 mètres carrés. Et on utilise une technique, une technologie de géolocalisation. En deuxième partie, on a fait une mise à jour des travaux qui sont effectués grâce à nos technologies innovantes en sélection, que sont le RFID, le scanner, et les progrès génétiques qui en découlent. Le scanner médical nous permet de sélectionner sur les rendements filets grâce à des algorithmes qui nous permettent, à partir des coupes obtenues par le scanner, de reconstituer en trois dimensions les volumes des filets, que ce soit sur les barbaries ou sur les mulards. On peut prévoir aujourd'hui un gain de 1 point de rendement scanner d'ici à 2021 en barbarie. Et puis sur le mulard, on est même à 2 points de gain génétique sur le rendement magret. Grâce au scanner en mulard. Grâce à la génomique en canard, on s'attend à des progrès génétiques de l'ordre de 15 à 20% de plus par an. Et on est assez sûr de nous sur le sujet puisqu'on bénéficie de l'expérience de notre société sœur Novogène qui a déjà mis en place des programmes de sélection génomique depuis plusieurs années sur les ponts de l'eau.